Select the one to fight with. Get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Pick and choose the right one. Get it on. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Select the one to fight with. Get it on. 10, 9, 8, 7, 6. Yes, sir. Pick and choose the right one. Get it on. 5, 4, 3. Bon, les amis, on vous prévient, 3-3, c'est un jeu d'avis, ça va vite. Donc, on va pas s'amuser à vous faire des commentaires techniques, hein. Vous allez voir, les routes, ça va être plié en 2 secondes. Donc, juste vous faites du bruit, si vous voyez des trucs de ouf, du parler, vous mettez l'animation, vous allez voir, c'est très sympa à comprendre. Et on espère que les joueurs vont être à la hauteur du spectacle. En tout cas, il y a du lourd. Techniquement, vous avez vraiment la crème de la crème. Donc, je pense que ça va être la folie pour cette finale. Donc, le maisonneau, à fond, faut changer l'ordre, les copains. À la maximum de bruit. C'est maximum de 3-3 qui vous donne le maximum de bruit. C'est parti, Taxis. N'hésitez pas à gueuler, hein, dès que la Team France, bien évidemment, parce qu'on est pour la Team France. Voilà, hé hey. Bon, moi, je vais pas faire rien avec vous, bien sûr, là. Du coup, le maisonneau, bien, le pari. De la part de Footies, par contre, voilà. Je vais mettre. Ah, il n'y a pas de conflit là. De Mizuno. De Mizuno qui compresse. Qui compresse. De Mi qui s'est envolé. C'est hyper speed. Je pense que Footies qui essaie d'imposer un rythme. Il s'est dépouffé au Mizuno. Ouais, mais c'est très bien défendu. De toute façon, il faut l'agresser directement. Attends, ouais, ça s'observe. Du coup, la chope. Voilà, la parée vient de confirmer. Il rate jamais au Mizuno. Attention, tac, tac. Voilà, la chope. Attention, le back play. Elle le perfect peut-être. Ah, le gars. Merci 3-3 pour rattraper le planning au niveau de l'event. Bah, Koff aussi a fait le taf. Hein. C'est vrai? Ah, ils ont envoyé le CEO, il a. C'est le meilleur jeu. Il a lavé. Allez, Ultra Yachts, dis le snap sur fou. Moi j'annonce, Yachts, si tu fais une provoque et que tu gagnes ton match, j'enlève un vêtement. Yox, il connaît le match-up, hein, il a toujours joué contre les Chani, il joue lui même Chani. Bien sûr. Donc là, il pas mal de perso. Voilà, il s'embrouille, voilà, Yox, il est là, il embrouille. Voilà, il va aller sur la perso, il voilà, c'est bien lui, il est là. C'est chaud parce que s'il va à la chenille, c'est l'autoroute. J'ai l'impression quand même. Pas mal! Oh, c'est chaud! C'est chaud, Mizuno! Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bien vu! Voilà, Mizuno qui garde quand même son esprit! Et là, voilà, Yox qui va faire le choix de la prudence, pas même pas une attaque! Ouais, il faut qu'il parte, il cherche sa barre sur le terrain. Ah oui, monsieur! Attention, attention, c'est là que ça va être décisif. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va craquer? Ah! Attention, je vais peut-être t'offrir ton billet pour le Mexique. On vous rappelle que la team vient de l'autre. Igouac Total. Oh, la réponse de Tonkoa. Tu lui fais caca de l'œil, mon gars. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. Et en fait, c'est vrai, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et on rappelle que la team gagnante est qualifiée pour la grande finale. Donc, ils auront un très gros avantage psychologique pour la fin du tournoi. En tout cas, Yox a bien compté comme il fallait. Non mais il a surtout très bien joué. Ouais, il a surtout très très bien joué. Il n'a pas laissé au Maisonneau développer son jeu, il n'a pas laissé jouer. Le stade fait, vous pouvez constater, la France elle est là. Allez, la France, on continue. La France est là. Allez, Yox. Alors là, il doit faire attention parce que Dudley, ça fait très très mal. Voilà. Très très beau bout. Voilà. Ah, il s'est mal aimé. Choc, c'est bien pour l'instant. Godo Kora Prudence, tu vois, il cherche sa barre tranquillement. Ah voilà, Yox, par contre, on va pas le laisser développer. Parce que voilà, Godo, la prudence, là, la surprise, il passe pas. C'est pas grave. Hey, ah, la compression.
pression à la STI, du coup, il y a eu en confiance. Donc, on va avoir peiné le bar. Logan est à nouveau, mon gars. Hey, hey, try to make sure voilà. Voilà. Hey, 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 hey. Bon, pas le max, un bon bout, hein. Voilà, c'est bien là, il gère bien, il cherche la balle tranquillement. Allez, il tient la distance, il a raison de nouveau gagner. Il fait déjà 3 points. Bien joué. Attention à relever, ouais, il y aura une caresse prudent. Parce que j'ai plus de super. On sait bien du coup, Johan qui est totalement en confiance là. Voilà le gars, voilà, il lance le niveau. La soft play là. La soft play, la soft play. Ouais, bien vu. Le bon ouais, c'est bien. Il avait vu. Bien, les bonnes défenses quand même. Ok. Allez, faut qu'on se relâche, c'est bien. Là, il a fait son beat drag, on commence ça là. Et il s'est fait casser. Et là, non, il était trop loin pour tomber. Du coup, c'est pas grave. Ouais, le dé... Oh là là, il se rate. Voilà, par contre, là, il rattache ton dos. On peut pas y faire à tous les jeux. Ou alors, faut s'appeler Joe Simon, je sais pas. Alors, Gogoa, qui est mal, oui, chômage, le rebound, et là, bon, voilà, Yox, Yox, oh là là, oh là là, oh, yeah. Et Gogoa qui se voit les mains, et qui supplie, tout à fait, quelque chose, c'est bien, là, l'honneur de Samolari. C'est bien, l'année dernière, c'est Nirvana qui a fait le shoot, cette fois c'est Yox. En tout cas, la France est là. Mais Yox, quand même, qui a eu l'occasion de beaucoup s'entraîner contre Marco et Nico, les frères serbes qui jouent respectivement Chani et Dudley. Donc, et qui joue au Japon. Et voilà, qui joue au Japon, qui était les meilleurs de leur catégorie. Donc, alors par contre, alors le thème, voilà. C'est un match dangereux pour Yox. Ça peut faire mal. Ah merde, on pensait être en grande finale. Mais là, il y a les Japonais du coup.
T'as fait ce requin respect, vous avez vu, hein. Le respect français. Eh les gars, vous n'avez pas gagné encore, hein. C'est pas fini. Ah, équipe, équipe. Donc, équipe, parce que peut-être... Les gars, c'est bon, là. Là, eh les gars, la motivation, hein. Bon les habituels, j'enquête de début de match. Je vous rappelle que c'est la finale loser, donc la team qui va perdre sera définitivement éliminée. Alors allons-nous avoir une finale 100% française ou allons avoir le Japon qui sera représenté? Ah, ils ont changé l'ordre, on dirait. Est-ce que au niveau de la technique, c'est bon? Ils peuvent lancer le match? C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, vous pouvez commencer, messieurs. Et on fait du bruit pour la finale loser! La finale loser du 3v3, 2-3-3. Donc c'est Blackoon qui va se lancer côté français avec son Yang. Blackoon qui est le meilleur... Attendez. Ah, pas. Voilà, ah, faut... Voilà, c'est bon. Ok, on est bon. Ok. C'est bon, les mecs. Blackoon, alors, allez, les gars, pour la finale loser. Le gagnant ira en grande finale contre la team Neos. Donc, il y aura du spectacle. Bon, non, ça s'observe, c'est un peu timide. Hey, hey. Allez les gars, on veut une finale France. Bon, pour le moment, Blackoon, là, qui vous presse totalement le degré avec ses petits slash, même dans la gare. Beaucoup de gore, ils sont sur la shop. Oui, le pari, dommage, le combo qui n'a pas connecté, mais c'est pas grave. Le gore est toujours sur la défensive. Ah, attendez, le compte s'est pas passé. Et bien sûr, la relevé, Blackoon qui l'a tenté. Blackoon qui est totalement là, il faut savoir qu'il joue Dundee aussi Blackoon, hein, donc ouais, du coup, il connaît le personnage. Allez, hein. Allez, voilà, bien vu, il y a des décalages, parce que là il joue sur le décalage, hein. on se rend pas compte là comme ça, mais en fait le temps de jeu sort très vite, voilà la slashette. Attention, de voir qui est compressé, qui sait pas quoi faire. Bon, je crois que je pensais qu'il connaissait un peu l'air. Là où on les voyait déjà, au sommet. Ouais, donc là, ils vont faire le son inverse. Ils vont laisser au Maisonneau parce que je crois qu'ils s'est rendu compte que ses partenaires. Ils se sont rendus compte que c'était pas quand même la fête, là. Ils vous font pas l'impression. C'est pas gratuit. Peut-être qu'ils auraient dû boire du cidre, peut-être. Tu sais, ça les a remis, tu vois, la technique du Drunken Master, tu vois. Là, ils auraient annihilé leur puissance max. Ok, donc Goichi-san. Contre Blackoon. Allez le public là, il est où là quand Blackoon il touche là les gars. Ouais bien vu. Alors les slash, voilà. Bien vu là, il joue sur les décalages. Et Goichi là qui est obligé de mettre la garde. Ouais, vu qu'il n'y a pas de super, il ne peut pas punir les slash. En tout cas Blackoon qui a un peu son jeu, il a raté le dragon là, ça c'est cool, ça voulait rien dire. C'est pas grave. Ouais voilà. Monsieur Rekalex. Ouais. Là. Non, il rate son setup. C'est pas grave, du coup, Blackoon.
voilà, on dira qu'on reste dans le coin. Il n'y a pas de pari parce que bah ouais, c'est toute une élite. Ouais, voilà, la punition de la manière. Voilà, deux doubles de public avec Elika. Il gère le tableau. C'est ça, mon gars, c'est ça. Est-ce que Tabou va striker la team Jaff? Bon, les gars, tout ça c'était l'échauffement. Maintenant, faut tuer le vrai boss du jeu. Bon, tout à l'heure, peut-être que Yox a eu la chance de sa vie. La Blackouille, j'espère qu'il va être galvanisé et par ses deux victoires précédentes et par le public. Pour allez, le public, on fait du bruit. Blackouille est à deux doigts de traquer la team japonaise pour une finale 100% française. Allez, les gars, un max de bruit là. Si Blackouille le fait, c'est vraiment un miracle. Allez, bon, on va pas rentrer chez eux. Et Slash, on vient de coller. Qu'est-ce qui se passe chez les Zolo alors qu'hier il a tartiné tout le monde? Les Zolo, là, je pense qu'il y a la pression. Ah, il y a une différence entre le primaire voilà, et le pouvoir. Voilà, tous les Zolo qui est là, un peu perdu sur les Zolo. Il revient un petit peu dans le match, il doit sauver son équipe. La cheville. Voilà, Blackouille, pas parce que c'est merdeux, la cheville, tu passes pas. Allez, voilà, pareil, là, par contre, voilà, j'ai l'impression que les Zolo, mais ça, c'est énorme. Le Slash X qui met dans le combo. Il va jouer sur le côté Karachop, pas Karachop, le drive, mais non. La punition et la coupe qui sort. Bravo à vous les joueurs qui reviennent dans cette finale. Et là, c'est stratégique. Farouk, Kouniabad. Farouk qui joue Urien. Donc Urien qui est un personnage quand même qui a la possibilité d'imposer le jeu à Chun-Li grâce au Aegis Reflector. Et là, sa petite manchette aussi. Voilà, le bon point, son meilleur coup, vous allez voir. Bon, espérons, parce que là, je pense alors, que c'est une deuxième tentative pour l'équipe française, pour une finale 100% française dans ce CFS 2016 à 3-3. Yes. Voilà, pour le moment, ça s'échange, les mecs, voilà. Là, ça va être un match de zone, surtout le Mesono, qui va pour le moment garder, je pense, cette tendance jusqu'à charger sa barre de super et elle pourra se permettre un peu plus de folie puisque là un petit pas LK égale Ram super qui a la première hein. Et attention voilà, voilà on peut faire le droit à la table plus dans le mouvement. Voilà, on peut faire du bruit pour les Japonais qui ont vraiment tout donné.
je suis content, je vois que la salle s'est remplie petit à petit. C'est vrai que 3-3, c'est le jeu du spectacle, avec les émotions fortes. Donc alors attends, donc on part. Là il y a aussi un chiffre qui va décider, parce que bon, les mecs ils veulent la victoire, ils veulent leur médaille, ils veulent leur coupe. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait le chiffre là? C'est fait, ils ont gagné. Alors vous prenez le côté ou l'ordre? Le côté. Donc vous restez là. Donc vous donnez l'ordre. Enfin, donc c'est Blackpool qui va y aller de ce côté. Alors on vous rappelle que là nous sommes dans la grande finale, donc on veut du bruit pour chaque match, chaque round. C'est une finale 100% française pour ce Stunfest. Donc c'est bien de le préciser, la France est là à 3-3. Donc ça va être la team de Yox qui a fait le taf et la team de Blackpool. Je pense que vous allez voir du très très beau match. Donc si j'ai bien compris, c'est Ultra Yox qui va y aller directement. Alors je vous rappelle que la team de Yox, ils sont restés en 8-9, donc un seul set à faire. Donc s'ils arrivent à se traquer une seule fois l'autre team, ils ont gagné. Alors la team de Niabal est obligé de faire l'exploit de les battre deux fois. Ils peuvent le faire. Et on peut commencer à faire du bruit pour la France. Allez les gars, c'est 3-2. Le dernier tournoi de la journée. La forme des deux frères en guerre. Et c'est davantage pour la foule. C'est quand même le jeu qui a inspiré le nom Stunfest. Faut le savoir. Allez bon, voilà, je raconte des trucs nostalgiques. Là, il y a Yox qui déroule à nouveau. Pourtant, il s'est fait quand même pas mal bouffer ça va par Blackpool. Est-ce que le choix de la team a été payant? Voilà, Blackpool, peut-être, j'en sais bien. Blackpool qui gère totalement dans ce match-up. Alors que, voilà, c'est sur la terrain, le choix a été étrange. Et après, la part de l'équipe. Voilà, la choc, Spé qui est pas passé du coup, c'est Blackpool. Hey, hey. Mais là, je me déclenche, tu passes pas. Le Yo, voilà, qui tente la dernière, qui tente la pif. Le Yo, il a commencé. Blackpool, mon gars. Il en veut. Est-ce que Blackpool va faire l'exploit de striker la team winner? Blackpool, c'est ce qu'il doit tout donner là. Yox, on le voit plus. Yox, tu viens faire une petite danse comme tout à l'heure ou. La loser dance. Je pense que Muriel par contre aura été un match-up défavorable, en tout cas dans les personnages. Allez, la choc de la coteau qui est pas passée. Voilà, Blackpool qui est bien lancé. Hey. Super, vous avez vu le petit chimie, il y avait les chimies déjà à 3-3. Oh le reset, dommage. Ah oui, le petit carrage. Le dernier slash qui pousse quand même. Hey, à nouveau. Dans cette grande finale, alors vous noterez derrière, il y a le coach de l'ombre. Il y a l'ami Cazor là,
les grands joueurs de Young qui en plus sont en train de coacher derrière. Voilà. Il y a les... Une fois que maintenant, vous savez, le dernier truc, c'est que une fois qu'on a battu les lits extérieurs, et ben on se souvient finalement les Lycènes et les. Hein, et les Strasbourgeois et les Toulousains. Bref, qu'il y a l'humanité dans la France, allez au Thomas. Allez, c'est allez, parti.
Là maintenant c'est l'équipe qui ira jusqu'au bout qui va gagner. On va refaire. Répète les copains. Vous faites quoi là? Ok. Attention Zouzou l'arbitre. On sent qu'ils occupent du stuff fest. Il y a des parties des règles qu'on ne peut pas zapper. Le junket. Qui s'est bien battu pour sa team.
Il y a aussi Black Hood entré. C'est Black Hood qui avait fait le taf. Donc, Aaron qui n'a pas du tout l'air en confiance pour le moment. Il n'a pas réussi à se réveiller dans cette grande finale. En tout cas, là, Yops a mieux joué puisqu'il était plus mobile. Alors que tout à l'heure, il subissait le jeu. Là, si tu as vu, à chaque fois que du coup, Black Hood faisait la taille, c'est l'Ox Box qui s'est échappé. Donc, il a réussi à sa défaite de tout à l'heure, c'était pas mal du tout. Allez, c'est parti, on fait du bruit là. C'est la France qui va vivre cette fête. Et on vient vers ce Sioud. Regarde, il a changé de couleur. Donc là, voilà, on va charger la barre. Ça ne fait pas de les fous. Voilà, ça va bien pour l'instant. Qui essaie de zoner ça. Ça tient à distance. L'Ox Box. Yop qui arrête de charger le guillemets. Il va s'en vouloir parce que Yox a quand même fait le plus dur
et je pense que la perdre contre une team française, puisque c'est tous des amis, ils jouent tous dans les mêmes salles d'arcade à Paris, ce serait, voilà, il va s'en vouloir longtemps. En plus, match miroir, donc ça risque d'être hasardé. Et surtout, est-ce que Nara va être sacré champion? La manche pour le moment, elle est du côté d'Otana, voilà, qui a déjà coupé ses formes dans le coin de Paris. Et là, la barre de Cyprien qui est bientôt voilà, sortie. Voilà, c'est du tennis, hein, si vous avez raté Roland Garros. Voilà, la pression. Et voilà, la manche, la manche, mon pote. Voilà, le coup, le miroir. Ah, du coup, c'est là, l'avantage, oh. Voilà, la Frontex qui a repoussé dans les rois. Alors, Faro, c'est pas du qui peut rendre, parce qu'il y a sa barre de Cyprien, voilà, il va la déclencher. Bien joué. Japan qui va se lever pour recevoir ses lots. Un d'applaudissements pour notre ami Japan, s'il vous plaît.
qui soit encore présent pour 3.3. Alors je vais appeler mon ami Phil qui va leur poser, qui va leur faire la traduction en live, leur demander s'ils passent un bon moment et surtout, qu'est-ce qu'ils ont pensé du tournoi et du niveau français. Bon, on va pas insister. La coupe, on vous a prévenu.
voilà, Bakoun, ce stunt fest, qu'est-ce qu'on pense? C'est la première fois que tu gagnes le stunt fest? C'est pas la première fois, c'est la première fois que je suis sur la scène. Et tu joues sur l'arcade, elle joue sur l'arcade grâce à Hyper6Pi, grâce à tous les partenaires. Donc t'es content? La coupe, ça va. T'as le panier garni, la coupe, la totale. Faut partager avec les copains. Hein. Et enfin, l'homme de la finale qui vous a fait le show, déjà il y a un an, et toutes les années d'ailleurs, mais maintenant tu t'es bien fait remarquer, tu as brillé et tu repris de nouveau. Yaman, un petit mot pour ton public qui t'aime. Je remercie ta fête de nous permettre de continuer à vivre cette passion. À vivre tout court, non? Je ne sais plus pourquoi qu'on va faire. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'espère que vous allez kiffer et à la prochaine. Il y a tous les hommes de Londres qui se fait, les régies qui organisent, etc., le streaming, les partenaires. Je remercie toutes ces personnes-là. Le Stunfest, bien sûr, parce que sans un festival de cette ampleur, on ne pourrait pas mettre en avant les jeux rétro. Et le Stunfest, à la base, c'est le jeu rétro. Donc grâce au Stunfest, il y a encore des jeux comme 3-3 qui vivent. Donc rien que pour ça, un grand merci au Stunfest et un merci au public plénier qui est toujours présent. C'est un bon moment. Donc merci à vous, le public. Merci beaucoup. And like, Gutex says, oh my brother, testify. Yeah.